Ok, voilà, hop, attendez, hop, je vais faire juste le F3. Alors, elle est en cours normalement, voilà, elle est déjà sur le magma. Ouais, la magma cream, ouais, c'est ça. Toi, t'en es où? Oh, bah, toi, t'as fini. Tu viens de finir un instant, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, vous voyez, là, elle est en attente parce qu'elle a une cobble sur elle, mais le coffre est plein. Par contre, si je balance, bah, simplement, voilà. Voilà, puis elle relance la production instantanément. C'est cool. Et donc là, vu que j'ai re-rempli le coffre, et ben elle s'est arrêtée. Ça, c'est génial. Alors je suis désolé, mais j'ai lancé un truc. Alors, juste un truc sur les ingrédients. Donc comment j'ai calculé le temps nécessaire à la création d'une potion? C'est vraiment pas compliqué. Ce que je fais, c'est alors j'ai regardé sur le wiki un ingrédient, quel qu'il soit en potion, met 20 secondes à être ingurgité quoi par l'alambic. Ça met 20 secondes à se distiller. Voilà, c'est ça, c'est la distillation. Donc j'ai pris une marge de 5 secondes. Ah là ça marche. Là ça a marché avec le système de reforçage derrière. Ok. Bon voilà, au moins là ça m'a créé mes potions. Une potion de résistance au feu. Voilà, donc ça marche. Et je disais quoi? Oui, ça met 20 secondes donc à être ingurgité. Et j'ai pris une marge, j'ai considéré, lorsque j'ai fait mes calculs, qu'un ingrédient ne mettait pas 20 secondes, mais 25 secondes à être distillé. Et comme ça, j'étais sûr au cas où il y avait un lag dans le jeu, ou un freeze, ou quoi que ce soit, qu'au moins, voilà quoi, j'avais de la marge. J'avais de la marge. C'est pour ça que bah les potions, elles attendent un petit peu dans le brewstand avant de sortir, quoi. C'est parce qu'il y a ce délai de 5 secondes par ingrédient. Voilà, c'est-à-dire que bah, s'il y a 3 ingrédients dans la potion, eh ben, elle mettra 15 secondes à sortir. Voilà, 15 secondes de plus. Mais vaut mieux plus que pas assez, plutôt que d'éjecter les potions alors que tous les ingrédients ne sont pas bah, détruits simplement. Voilà. Je sais pas si je vous avais. Ouais si on l'avait fait ensemble hein, le mineshaft hein, il me semble. Ouais, dans les premiers épisodes, j'avais fait un mineshaft, il y avait 4 graines là-dedans, donc. Enfin il y avait 4 graines dans le mineshaft. Donc voilà. Donc c'est pour cela que j'ai bah, mes potions de soins. Enfin voilà. Voilà. Bon après, voilà. Bon, j'ai essayé de faire un petit peu de déco. Ici, il y a des torches en dessous, mais enfin voilà quoi. Alors je sais pas trop. Soit je fais un peu de tout en cobble comme ça, mais j'aime bien laisser des murs en brut quoi. Enfin voilà quoi. C'est bizarre, on voyait son nom à l'instant, mais. Popopo je ouais non sinon ça marche bien. Sinon cette machine fonctionne assez bien. Elle est. Bon, elle y a plus compacte mais. Enfin, avec une turtle déjà on compacte vachement le système. Hein. Je sais pas si vous vous souvenez dans l'épopée d'un enchanteur. Si vous n'avez pas vu l'épopée d'un enchanteur, je vous conseille. Mais la machine à potions que j'avais créée dans l'épopée de l'enchanteur, c'était quand même beaucoup plus gros que ça. Avec un décodeur binaire. Enfin, ouais, enfin, voilà quoi. Voilà le merdier. Enfin, bref. La lave, c'est moi qui l'ai ramenée. Hein. Elle fait pas partie du. Elle est pas naturelle. Voilà. Ça marche moyennement. Ça m'a ramené juste voilà une pomme de terre empoisonnée, sinon pas terrible terrible. Jusqu'à casser cet arbre. Bon, n'empêche le. Excusez-moi. Voilà, excusez-moi, la machine
La potion d'empêche m'aura pris pas mal de temps à développer, mais j'ai surtout passé du temps sur PHP plus que sur Lua, à vrai dire. Mais en soi, voilà quoi. Pareil, mes fourneaux, je les ai fait, voilà, je les ai fait, enfin, j'ai refait des fourneaux, vous savez, un petit peu automatisés avec les hoppers, mais ça reste assez vanilla comme système. Y a pas des masses de charbon là-dedans. Voilà. Sinon, sinon pour le reste, hein, ce que vous voyez hors caméra, ça reste de l'aventure normale. Je veux dire, je vais chasser, je vais. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? C'est moi qui ai fait un truc de terre comme ça moche? Non, je pense pas. Voilà. Après, ça reste du gameplay normal où je fail la mort, mais enfin, je sais que ce serait marrant de voir ça, mais c'est pas le but de la série. Donc voilà. Calme là. Je sais pas si je peux si je refais un affichage ici. Je vois pas l'intérêt. Franchement, je vois pas l'intérêt de refaire un affichage ici sur s'il y a une potion en attente ou s'il n'y en a pas. On pourrait le faire, mais franchement, pas grand intérêt. Moi, je suis content, n'empêche, j'ai une machine à potions qui fonctionne et simplement, le pire c'est que je peux vraiment y accéder d'où je veux quoi. Je peux me balader, aller chasser des mobs et je me dis tiens, ça serait bien que j'ai des nouvelles potions de force. Hop, je mets le jeu en pause, je vais sur mon interface web, je demande des potions de vitesse ou de force ou de quoi que ce soit et je sais que la machine va en produire même si je suis à l'autre bout de la map. Enfin, la demande sera prise par PHP quand je m'approcherai de la base. Dès que la turtle sera chargée. D'ailleurs, on va mettre le programme en startup. Mettre le programme en startup comme ça. Hop. Voilà, comme ça, dès que je m'approche de la base, et la turtle, hop, et elle recrache, elle crée ses potions et puis, elle crée les potions que j'ai besoin. T'aurais dû lancer le start. Ah oui, évidemment. Voilà. Là, elle est en attente de potions. À créer. Elle est en attente que je consomme de la cobble. Mais bon, voilà. Pour le reste, c'est tout. Je réfléchis à d'autres choses que l'on pourrait éventuellement automatiser. Mais là, l'esprit, enfin, j'ai rien qui me vient à l'esprit. De l'agriculture peut-être, de niveau bouffe, en fait, ça vaut pas le coup de. Les turtles, ça vaut pas le coup. Je veux dire, hein, les micro-machines basiques avec du, avec vous savez, un dispenser de la bonne mille. Je veux dire, ça marche aussi et ça marche peut-être même mieux. Alors. Est-ce que ça vaut bien le coup? Bon, ce qui est marrant, c'est de rajouter un nom à autre truc, quoi. Voilà, quoi. Mais à part ça, voilà, utilité assez réduite. Hein. Voilà. Bon, écoutez, je pense qu'on a assez traîné. On aura vu pas mal de programmes. Je réfléchis à d'autres applications que l'on pourrait faire, mais je vous dis, là, je manque un petit peu d'inspiration. On a quand même vu déjà pas mal de choses hein, en 8 épisodes, en 7-8 épisodes. On aura vu quand même l'automatisation du minage. On aura vu l'optimisation du gravier. Tiens d'ailleurs j'en ai pas. J'en ai pas en stock là du gravier à faire du. Il me semble que j'en avais ramené du gravier. Ouais, si, il y a ça aussi que je pourrais automatiser, c'est un rangement.
C'est un système de rangement automatisé par Turtle. Ça, enfin par Turtle ou par Computer Craft, enfin, on pourrait s'arranger. Peut-être. Peut-être que je vais me pencher là-dessus. Peut-être que ici, je vais me faire une salle des coffres. Une salle des coffres avec et le tout géré par des turtles. Comment je pourrais faire ça? Je réfléchis 2 minutes avec vous. Déjà, il faut une gestion d'inventaire, c'est obligatoire. Donc, il va falloir des turtles, quoi qu'il arrive. Si possible qu'ils ne consomment pas de redstone, ça serait cool, quoi. Comment on peut faire ça? Des tortues qui pivotent sur elles-mêmes, et si elles ont l'ingrédient qui correspond à ce que je demande, elles mettent dans le coffre. Ça peut se faire. Ouais, mais il va me falloir une sacrée quantité de tortues. Hein. Wow. Je réfléchis, hein, je réfléchis à haute voix. Mais... Ouais, faut voir. On peut, ça peut se faire, mais v'là le boulot. Si c'est le cas, je la ferai ici. Je la ferai ici, j'ai juste laissé 3 de... Ouais, 3 de largeur, et puis... voilà, ouais, je la ferai bien ici. Et puis genre, hop, ouais, quand même un petit peu de marge. Voilà, genre par exemple ici on met un double coffre dans lequel je peux déposer tout mon stuff en vrac. Et les coffres d'après sont des coffres bien rangés, bien propres. Faut voir ce qu'on peut faire. Mais... Ah, il y a les crafting. Ah oui, il y a aussi les crafting... Il y a aussi les turtles de crafting aussi. J'ai pas pensé à ça. Mais en même temps, je peux aussi comme ça balancer du fer et ça me crée des blocs de fer automatiquement, enfin en stockage quoi. Ou même la redstone, c'est pareil, la redstone. C'est vrai que j'ai pas forcément l'habitude de la compresser par exemple, alors que qu'en soi il faudrait. Là par exemple là, voilà, ouais, faudrait voir à tout ça. En plus, bon, je veux dire, en plus c'est du stuff vanilla, quoi. Je veux dire, comparé à du Minecraft modé où il faut des tonnes et des tonnes de choses. Faut voir. J'ai des chests? Juste, est-ce que j'en ai des chests? Tiens, toi, je sais où tu vas aller. Non, apparemment je n'ai plus de chest et j'ai plus de... J'ai balancé tout le bois qui me restait, je pense, dans le fourneau, donc pour l'alimenter. Bah écoutez, de toute façon, je vais aller me recouper quelques arbres. La lumberjack, je vais la relancer. Et puis bah écoutez, bah je vous dis à plus tard. Je pense que je vais travailler sur une salle des coffres. Je pense qu'on va travailler. Je pense que je vais travailler là-dessus. Et pour le reste, on verra bien. Attends, non, je vais tailler tout ça à la main. Il faudrait vraiment que je me rebasse sur les enchantements pour me faire du stuff efficiency, parce que sinon ça commence à devenir long tout ça. Allez, à plus tard. Bonjour à tous. Ouais, bah rebonjour à tous en fait. Je sais qu'on est en plein milieu de l'épisode 8, je sais pas pourquoi je... Bon, je vous explique rapidement. Lors de la dernière coupure, enfin, de la dernière coupure à maintenant, 2 mois se sont écoulés. Voilà, donc je suis plus vraiment dans le bain. Il se passe différentes choses dans ma vie. Ça, c'est pour des raisons personnel, voilà. Je n'ai pas pu avancer sur cette série, ce qui explique aussi le retard de sa diffusion dès le départ en fait. Enfin bref. Et donc là, ça fait 2 mois que je n'ai pas joué à Computer Craft.
Et là, je reprends le jeu et il y a énormément de problèmes. Premièrement, tout ce qui concerne Computercraft a disparu. Je n'ai plus une turtle, je n'ai plus un moniteur, je n'ai plus rien. Même dans les coffres, tout ce que j'avais en attente qui concernait Computercraft a disparu. Bêtement. Bon, j'ai encore un peu de fer, je vois. Et puis j'ai toujours mon diamant. Alors, la bonne nouvelle, c'est que j'ai été voir dans la sauvegarde. Tout est nickel. Enfin, j'ai toujours les programmes. Et je suis en train de réfléchir, mais ça veut dire également que dans les coffres de donjons, les trucs comme ça, je ne vais plus avoir les programmes. Vous savez, les trucs qu'on trouve dans les donjons, les disquettes, je risque de ne plus les trouver. Le monde a simplement buggé. C'est bizarre. Tout ce qui a été... On dirait que tout ce qui concernait Computercraft a été supprimé. Puis, donc le jeu avait buggé, hein, donc vous voyez, machine à potion, les deux turtles, non, il n'y en a qu'une, un turtle pour la machine à potion, ouais, c'est ça, bon, la turtle d'en haut a buggé, celle de mon, enfin, a disparu, donc, celle de mon générateur à cobalt, qui de toute façon est plein, pareil, qu'est-ce que... Et merde. Bon, je casserai l'obsidienne et je remettrai un... Apparemment, quand je suis passé dedans, ça a updaté le bloc. Bon, je vais mettre un bloc de cobble en attendant. Bon, sinon, j'avance un petit peu dans le bunker. Là, j'ai fait un petit tour. Ah oui, et il y a un dernier bug bizarre. Alors là, c'est vraiment bizarre. J'ai voulu remettre mon skin. Et mon skin a une gueule bizarre. Voilà, alors déjà j'ai une tête blanche, un peu Slenderman, et les couleurs de mes habits ne sont pas du tout les bonnes. Je comprends pas. Je suis censé être en costard noir. C'est pourtant bien mon skin. C'est le skin que j'avais d'enregistrer sur mon PC en PNG que j'ai réuploadé et. Je sais pas ce qui se passe, je sais pas si c'est Computercraft qui me fait ça ou... Mais il a des teintes bleues et vertes bizarres et ma tête est blanche et mais le plus bizarre c'est pas qu'elle est blanche, c'est qu'en fait elle a l'air d'être recouverte de blanc. Parce que si je regarde dans... Voilà, ma tête vue de l'intérieur, c'est la bonne tête avec mon masque et tout. Et encore le masque est déformé, c'est bizarre. Et mon skin est... complètement bizarre. Donc je vais le laisser comme ça pour le moment, mais c'est méga chelou. C'est bien mon skin quoi. Je veux dire, enfin, le fichier que j'ai uploadé, c'est mon skin. Alors je ne comprends pas. Je comprends pas pourquoi il a ces teintes bizarres de bleu. Bleu. Et puis même les manchettes quoi. Enfin les au niveau de du bas des manches, enfin, au niveau des poignets. Ça correspond pas du tout quoi. Très bizarre. Franchement, très très bizarre. Donc, ouais, non, voilà ma main. Alors, j'ai pas du tout cette poignée-là habituellement. Bon, enfin, voilà. Bon, bah, à la limite, je le referai, le skin. Et je pense savoir pourquoi la tête blanche, c'est parce que apparemment le PNG, pareil, je sais pas ce qui se passe. Si vous voulez, si vous savez, c'est une image PNG et les images PNG en informatique gèrent la transparence. Et normalement, il y a certaines parties de l'image en fait qui doivent être mises en transparent. Et là, apparemment, bah, la transparence a sauté, puis c'est devenu du blanc. Et c'est ce qui et correspond en fait au contour de ma tête. Donc c'est tout, mais sinon mon visage est bien là, mais il y a des carrés, enfin ouais, des zones blanches en fait par-dessus. Évidemment, la tortelle aussi ici a disparu. Bon, je vais voir si le nether a été réinitialisé, j'ai pas été dans le nether, on va voir ça. Je suis pas armé, j'ai pas d'armes, tout va bien. Qu'est-ce que... Oh putain! Bon?
Merde! Qu'est-ce qui s'est passé? Un creeper? Merde! Mais je suis bloqué dans le désert. Putain, mais c'est quoi cette série de l'horreur? Putain, le pire c'est qu'en ce moment je regarde... Enfin... Non, ça a rien à voir. Je vous jure que j'ai rien fait exprès, mais en plus je regarde des creepypasta en ce moment, et là j'ai vraiment l'impression que ça me tombe un truc bizarre dans le genre. Mais non, quoi, je veux dire, bon, apparemment il y a un creeper qui est passé à travers le portail, et quand je suis passé, il a explosé. Mais j'ai pas de flint and steel. Je vais tricher, hein, j'ai pas le choix, je vais me TP. Hein. Bon, en tout cas, le Nether a pas l'air d'avoir été forcément réinitialisé. On va juste aller jusqu'à la fort... La Balgast, je viens de le voir. Il m'a tiré dessus de là-bas? Non, tu déconnes. Bah oui, j'avais qu'un cœur. Oh, fait chier. Bon, allez, fit and steel. Voilà, et je vais récupérer rapidement mon stuff. Alors, ce qui va se passer, c'est comment? Je vais refaire une coupure. Je vais me refaire une tourterelle, comment la rebalancer pour m'envoyer du fer. C'était quoi? C'était de la neige, ça. Ouais, c'était de la neige. Je referai la plateforme plus tard. Bon, alors mon stuff. Non, 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 pas le gast, allez. Non, 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 allez, rends-moi mon futal. Mes bottes. Qu'est-ce que... Alors, j'ai ça, j'ai ça. J'ai pas le casque et le plastron. J'espère qu'ils sont pas tombés dans la lave. Il y a du feu là, bien sûr. Mais pas de fer. J'ai le casque. Allez, allez. Vas-y, envoie-moi ta boule. Vise mieux que ça. Vas-y, là t'es à bonne hauteur là. Ouais. Allez, dis-moi que t'as lâché une larme. Il a pas lâché de larme. Eh dommage. Bon, je récupère un petit peu de... Ouais, je suis sur la Soul Sand. Bah, la Soul Sand, il m'en fallait aussi. Je vais juste récupérer quelques... Mais merde! Allez, attends. Bonne hauteur, mon salaud. Ah! Oui! Oula! Petit freeze. Bon, allez, je me casse de là, parce que là, ça me saoule. Donc c'est juste pour sur la plateforme que je reprends un peu de Nether Netherrack. Ok. On va mettre de la cobble, hein, c'est pas grave. Ouais, bah remarque, j'ai de la cobble sur moi, j'ai pas besoin de Netherrack. Bon. Bon, apparemment tout est bon. Je vais regarder à mon skin, mais ça, le skin, c'est vraiment pas une priorité. Je sais pas pourquoi, je voulais le remettre, mon skin, parce que j'en avais marre du skin de base d'Affinity HD. Ah oui, j'avais dit lors de ma précédente coupure avant, c'était qu'il fallait que je me repenche sur les enchantements pour me faire de l'efficiency également, hein, parce que... Attendez, je vais quand même vérifier. Apparemment, le Nether est tout à fait normal par contre. Bon, donc j'ai tout mon computer craft qui a disparu, mais j'ai toujours les codes dans la sauvegarde. Donc j'aurai qu'à copier-coller. Tout ce qu'il faut, c'est que je me refasse une turtle pour me rebalancer du fer, parce que je dois avoir que 37 de fer, comme je l'ai dit. Fer, fer, fer. Donc ici, je n'ai pas de fer. On est d'accord. J'ai une potion de soin là. Ouais, bon.
J'ai plus de plastron, c'est ça? Bon, alors, par miracle, j'ai un plastron en or, ça fera l'affaire pour le moment. Hop. Donc, j'ai du diamant, donc ça va me faire une pioche en diamant pour la turtle, c'est pas un problème. Donc, j'ai 37 de fer. Ça me permet déjà de refaire la turtle, sans problème, même peut-être une deuxième. La lumberjack. Celle qu'il me faut, c'est la lumberjack en priorité. Donc ça. J'avais un arc également. Ouais, l'arc dont je vous avais parlé à l'épisode 7, apparemment, bah je l'ai flambé apparemment dans le Nether là. Oh là là, cette excursion dans le Nether, putain, l'instant kill quoi pratiquement. Ah. Ah bah c'est bon, j'ai ce qu'il faut encore en faire là en fait. Une épée, un arc, ouais tout va bien. Bon ok. Papa. L'obsidienne là encore. Bon. Bah, j'ai de la patate. Alors, pour la machine à patate, donc ça ne marchait pas en fait. Hein, j'avais refait des tests et le programme ne marchait pas. Donc tout de suite là ce truc là je vais le supprimer. Et je vais réfléchir à une autre manière de faire. Ça c'est vrai. La salle des coffres résultat, bah j'ai pas avancé. Et donc je vous dis, j'ai fait le bunker. Voilà quoi, mon petit bunker. Tant pis. Ici, j'ai toujours pas creusé. Ici non plus. Après, c'est un dédale de. Donc là, ici, on a la machine à potions. Donc, je suis juste. Voilà quoi. J'ai juste mis un petit truc comme ça. Ici, c'est un peu moche. Faudrait que je trouve une autre solution. Mais bon. Et puis là, quand on fait le tour, voilà, on arrive à la salle des potions. Donc ça fait un petit peu labyrinthe, mais j'aime bien. Et donc je suis dans la colline qui est derrière mon triangle de verre, là. Donc voilà, au calme, quoi. Ah, puis merde, oui, puis résultat, j'ai perdu tous mes ingrédients de potions. Eh, merde. Oh, fait chier. Bah oui. Puis j'ai pratiquement plus d'or, j'ai 5 d'or là, j'ai 12 d'or là. On va les regrouper. Quitte à faire. J'ai 17 d'or. Oh bon bah écoutez, je vais devoir rattraper cette série. Je vais vraiment devoir rattraper cette série. C'est con quand même. Y a autre chose qui me chiffonne. J'ai plus de mobs. J'ai plus de mode passif. D'habitude, j'avais des vaches, des poulets qui se baladaient ici. Bon, j'ai toujours des mobs hostiles apparemment par contre. Attendez, j'allais voir dans la prairie de base, il y a toujours des vaches là-bas que je n'ai jamais tuées. Je vais voir si elles sont toujours là. Parce que l'occasion, les mobs passifs aussi ont été réinitialisés, c'est bizarre. Hop. Non non, sont tous là. Ouais les non les bon donc ça c'est ok. Ouais c'était des chevaux. Ouais. Oh la vache. J'ai quoi? J'ai ouais, mon armure en or. Faut peut-être que je la mette. Ok bon donc non donc les créatures passives apparemment n'ont pas été réinitialisées. J'avais dû les tuer les vaches alors. Je me souviens plus. Ok, bon, bah écoutez, on se retrouve. J'ai plus rien à manger. Dommage, j'en ai besoin de ça.
Pour me refaire des potions de heal. Qu'est-ce que j'avais là-dedans déjà? Ça c'est un truc qui traîne aussi là depuis des lustres. La citrouille, mais j'en ai pas besoin. Oh non. Allez, hop. Ok, très bien. Je vais. On va voir tout de suite si les crafts de Computer Craft refonctionnent. Parce que si ça a disparu, peut-être que je n'ai pas encore essayé les crafts. On va juste essayer ça rapidement ensemble. Sinon, bah, cette série est extrêmement compromise. Faut juste que je trouve le wiki à côté parce que je ne me souviens plus comment on fait les crafts. Résultat, une seconde. Si, attendez. S'il y en a un qui me revient, c'est celui simplement de l'ordinateur. Donc c'est de la stone, on en a. C'est du verre. Donc des glaces panel, je dois en avoir quelque part. Glace panel. T'es sûr d'avoir la glace panel quelque part? J'ai dû consommer pas mal de potions aussi entre deux, je me souviens plus. J'ai plus de glace panel. Bon. Ah si, là. Parce que évidemment c'est transparent, on les voit mal. Donc ça, ça et redstone. Redstone. J'en ai qui traîne. Donc computer craft, donc c'est pas compliqué, c'est non, c'est de la pierre. Un bloc de redstone et un glass panel. Et ça marche pas. C'est ça, hein. Attendez, je vais juste vérifier. Je vais juste vérifier. Alors. Computer craft. Computer craft. Alors, les crafts. Ouais, alors, le wiki. C'est où? Pourquoi mon navigateur a planté? J'ai mon navigateur qui a planté, je sais pas pourquoi. Attendez. Allez. C'est pas ça, c'est help. Wiki. Allez, dépêche-toi. Si on peut pas, bah je. Faut voir ce qui s'est passé. Faut voir ce qui s'est passé. Je n'ai pas fait de sauvegarde. C'est ça le pire, c'est que je n'ai pas fait de sauvegarde. Récipiliste, allez, dépêche-toi. Alors. Putain, c'est ça, hein. C'est. Ah non, non, j'ai inversé. Autant pour moi. J'ai inversé le craft. Donc. C'est ça. La redstone est à l'intérieur. Et la glace panel. Qui est là. Est ici et ça marche pas, donc le mode computer craft en fait n'est pas du tout installé. Il est plus du tout installé. Et merde, j'ai de la bonne mille ou pas? Donc attendez, parce que si c'est le mode qui a été désinstallé. Peut-être qu'il ne faut pas. Je suis passé du mauvais côté, bien sûr. Peut-être qu'il ne faut pas que je mette ça. Parce que peut-être que la tortue va remettre ici. Écoutez, je vais regarder pourquoi le mode s'est désinstallé. Parce que je suis bien en 7.10. C'est la sauvegarde que j'avais avant de quitter le jeu il y a 2 mois. Et on va voir donc ce que ça donne. J'ai laissé la cendre là-bas. Allez, à tout de suite. Ok, donc j'ai relancé le jeu, j'ai regardé la config, j'ai.
J'ai tout regardé. Et comment? Je comprends pas. Le Forge s'est désinstallé, enfin Forge est là, mais le jeu ne reconnaît plus Forge, donc résultat ne reconnaît plus Computer Craft avec. Donc cette série est malheureusement foirée. J'en suis absolument désolé. Et donc ben, tant pis. Donc je vous mets quand même les quelques programmes. Les quelques programmes seront en libre téléchargement. J'ai pas de hache pour ça. La map en elle-même, je sais pas. Parce que je vous dis, elle est bizarre. Et puis, ce gros bug de Computer Craft qui, voilà, qui a fait dégager tous mes systèmes. Vraiment bizarre. Et surtout ce skin bizarre. Je sais pas s'il le fait dans les autres séries. Je vais regarder à ça. Si mon skin est normal dans les autres séries, c'est qu'il y a un problème avec avec cette map. Attendez, c'est quoi ce délire? Là, mon skin est dégueulasse. Et dans mon inventaire, il est bien noir. Dans mon inventaire, mon skin est normal. Ouais, quoique le froc a des teintes de vert, mais... Mon skin... Enfin, les vêtements de mon skin sont normaux dans mon inventaire, et pas en réel. Chelou, bizarre. Oula, bon, je quitte ce monde, sérieusement, Alors je vous ai dit, en plus je regardais Creepypasta en ce moment, je sais pas pourquoi je me suis mis à regarder ça sur internet. Je suis pas du tout fan de trucs d'horreur, mais... Et puis là, je trouve que mon skin fait vraiment creepy. Donc on va arrêter là. Non, je suis vraiment désolé pour tout ça. Pourquoi mon inventaire est autant bordel? Ah oui, non, oui, non, c'est normal. J'ai mis... Avec le stuff en moins, ouais, c'était comme ça. Bon. Des flèches. Je voulais des flèches. Faire une petite chasse au monstre en attendant. Je vais... Ah si, bah il est là, mon arc. Non? Bon, je sais pas si c'est celui-là. Non, bah c'est... Bon, bah désolé, j'ai foiré ce monde. En gros, j'ai foiré ce monde simplement parce que Computer Craft s'est désinstallé et à mon avis, même si je réinstalle les mods, à mon avis, cette map, bah déjà, je ne retrouverai plus aucun programme dans les donjons. Il faut que je réinstalle tout, enfin faut que je réinstalle toutes les tous les trucs. Côté serveur web, je ne sais pas si je vous diffuse les codes sources. Ouais, si, je vais peut-être le faire. On verra. Je vais essayer. Je vais essayer de faire tout ça. Je mets tout ça dans la description. Et malheureusement, je suis obligé de terminer cette série là-dessus. Plus de flèches. Donc voilà. C'est con, putain, deux mois d'absence sur cette série et je voulais vraiment m'y remettre et je peux pas. Je trouverai autre chose. Je trouverai une autre série. Peut-être j'ai envie de me relancer dans une série en hardcore. Ah, j'aurais peut-être une idée. Une idée, mais je sais pas si elle va plaire à tout le monde. Franchement, j'aurais une idée, mais ce serait un mode de jeu. Alors pas forcément en hardcore. Je pense plutôt qu'on va la faire en difficile. Remarque, même en facile, à mon avis, ça va être l'horreur. Je pense que peu de monde vont regarder, c'est sûr. J'ai plus de bonne mille. J'ai plus de bonne mille nulle part. Pour faire pousser ça. Bon, tant pis, de toute façon, je vous dis, je quitte ce monde. Bon, bah écoutez, on se retrouvera pour une prochaine série. Et puis ben, je suis absolument désolé qu'elle se termine comme ça. J'avais plein d'autres projets. Enfin, j'avais d'autres projets. En fait, je pataugeais un peu, hein.
pour être franc. Il y avait cette histoire de salle des coffres. J'y ai réfléchi. Cette salle des coffres est, mis à part mettre des tonnes de turtles qui se filent les items, qui les placent dans des coffres, qui donc avec un code de source pas forcément facile, sachant qu'en plus les filtres devraient être dans les turtles. Enfin voilà, ça aurait été un bordel monstre et quelque part, je me dis qu'un bon système de triage avec des hoppers reste quand même plus économique. Niveau fer, bêtement. Donc voilà. Qu'est-ce que j'avais là-dedans? De résistance au feu, potion de santé, force. Ok, bon. Je vérifie juste s'il n'y a pas eu quelque chose d'autre de bizarre sur cette map. J'aurais bien envie de voir quand même s'il y a eu du changement dans le Nether, notamment, je sais pas, si la forteresse. D'accord, ok. Putain, j'ai vu ça de la fin, je me suis fait merde, qu'est-ce qui se passe? Coucou! Ouais, bon, elle t'attendra. Elle est où mon... Voilà, elle est là. Là-dedans, j'avais encore du bois, hein, mine de rien, quand même. J'avais ce qu'il fallait en bois, en fait. Ah, j'aurais ce qu'il faut, limite, pour continuer, mais... Oh, allez, on se termine sur un dernier combat de squelette, et après, je quitte cette map. Mais... Ah, c'est chiant, ça. Quand on est dans la flotte, on n'a aucune chance de leur échapper. C'est dingue. Les squelettes en... C'est impressionnant. Voilà. Vous avez vu ce skill? Ok, je peux pas récupérer la flèche. Il m'a droppé un os ou pas? Ouais, il m'a droppé un os. Allez, hop. Juste pour le fun. J'ai plus de bouffe. Je suis sûr que quand le portail a explosé, c'est parce qu'il y avait un creeper qui a passé le... Bah, qui a passé simplement le truc, quoi. Bah, qui a passé le portail. Donc, moralité, le portail vaut mieux, c'est le... À mon avis, l'enfermer. Lui mettre, mettre un, bah, une porte, mettre quelque chose. Ouais, ce que je voulais, c'était bêtement... Voilà. Bon écoutez, ben sur ce jour levant, je vous laisse et puis ben on se retrouve pour une prochaine série. Quitte à faire, je me dis, on va partir en beauté. Je dépose tout mon stuff. Allez, adios!